puni de notre imprudence. Mais non, non, laissez-moi faire, Odette. Je vous sauverai. Comment c'est vous, Denise? Ben, qu'est-ce que vous faites là? Ça me regarde. Mais surtout, ne me regardez pas. Monsieur, je n'ai pas de temps à perdre. Où est-elle? Où est-elle? Monsieur, je ne sais pas de qui vous voulez parler. Messieurs, je suis le seul coupable. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est le patron de la maison. Le patron? Je vous avais prévenu, ils sont tous piqués. Écoutez-moi, monsieur le préfet. Une femme en chemise, maintenant? C'est moi qui suis sa complice, j'avoue. Enfin, monsieur, je vous le répète, où est-elle? Mais... Corporation, nous revenons en délégation. Délégation. Avec la sensation. La sensation. La sensation. La sensation. D'avoir bien rempli notre mission. Rempli notre mission. Nous avons sur toutes les questions. Sur les questions. Trouvé un terrain de transaction. Obtenu pleine satisfaction. Enfin, monsieur, voulez-vous m'expliquer? N'est-ce pas, voilà, je... Eh bien, voilà, monsieur. Il faut vous dire que ces jeunes filles ont deux métiers. Oui, c'est simple. Le jour, elles sont vendeuses, et le soir, elles dansent aux Folies Bergères. Oui, c'est très simple. Et ces messieurs aussi ont deux métiers. Ils sont marchands de chaussures et auteurs dramatiques. C'est de plus en plus simple. Alors, n'est-ce pas, vous comprenez, ils écrivent des ballets qu'ils font répéter dans leur magasin. Voilà. Voilà. Et la répétition continue. Allons, mesdemoiselles, en scène pour l'un. Alors, messieurs, comment trouvez-vous ça? Après, charmant. Et maintenant, vous allez voir la célèbre danseuse Arruccia dans la danse du voile. Hein? Quels yeux, quelles jambes. Ah, j'avoue que si un jour je trompais ma femme, je vous comprends. Mais elle sort du magasin. Mais la sortie fait partie du numéro. Comment appelez-vous ce ballet? La fuite en Égypte, monsieur le préfet. Mais pourquoi m'appelez-vous monsieur le préfet? Mais parce que... Comment, vous n'êtes pas le préfet de police? Mais non, je suis le commissaire du quartier. Mais alors de qui parliez-vous tout à l'heure quand vous disiez où est-elle? De la délégation gréviste, dont on m'avait signalé la disparition. Non, non.